Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sabrina 820 Gaming. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite démo de GeoRifter. Voilà, donc c'est une démo qui est disponible sur le PlayStation Store. Et puis bah, c'est un jeu que j'avais envie de tester. La démo est disponible. Je me suis dit tiens, je vais la télécharger, on va essayer ça. Donc c'est parti, on va découvrir. Alors, aventure qui vole tout l'air, lance-toi dans une aventure épique, seul ou avec des amis pour dévoiler ce mystère. Il y a des arènes de défis, mais tes capacités à l'épreuve de à 4 joueurs s'opposent en coop et coopèrent dans une variété de modes divers. Collection de héros, personnalise les géorifters, que tu as de le bloguer dans les aventures, cartes et vignettes, des badges, comment jouer, quoi de neuf. Bah écoutez, nous on part tout de suite pour la démo du mode aventure, c'est parti. Niveau 1. Que s'est-il passé ici? Confirmé. Ah donc on peut jouer en coopération. Tiens, ce serait rigolo d'essayer de tester la démo avec un de mes enfants. Mon petit garçon, je pense. Ça serait de refaire une vidéo en coopération. Bon, bah pour l'instant, je joue toute seule. Continuer. Eh, c'est rigolo, ça joue encore. Hein. Ça peut jouer à deux. Ah, c'est un petit jeu de plateforme, hein, je pense. Je sens comme une odeur de chocolat. Ah, salut bonbon. C'est rigolo les personnages. Je trouve que c'est sympa. C'est pour ça que j'aime bien les jeux de ce style-là, moi. Le chef. Il combat le feu avec du chocolat. Ah bah génial! Satanée boule de caramel, que se passe-t-il ici? J'en sais rien, moi, ces failles étranges sont apparues de nulle part. D'étranges failles, dis-tu? Je n'aime pas ça. Tu peux le dire, allons y jeter un œil. Et pourquoi devrions-nous le faire? Parce que rien de bon ne peut provenir d'une faille bizarre. Allons mener notre enquête et voir ce qu'il en est. D'accord, mais tu me devras deux glaces au sucre pour ça. Ben non, c'est pour les gourmands ce jeu-là. D'accord. Donc est-ce que je peux... En y réfléchissant, plutôt 3. Voilà, donc je bouge mon croix pour sauter. Carré, ça sert à rien. Bon, bah oui, croix pour sauter, j'en suis, j'avais remarqué. Hein. Alors, ben j'avance. Jette un œil sur ce truc à magie. Ce truc à magie là-bas, d'accord. Ce truc a l'air trop génial. On ignore ce que c'est. Il vaudrait peut-être mieux ne pas le toucher. Depuis quand toucher un truc mystérieux peut faire du mal à quelqu'un? Bien vu. Bon, bah on va le toucher puisqu'on nous dit de pas le toucher. Cristalliseur. C'est un cristal, je viens d'obtenir un cristal. Oh, je croyais que c'était une sucrerie, ça y ressemble en tout cas. Bon, il y a beaucoup de parlotte, j'aimerais jouer un petit peu plus que lire, mais bon, tu es sûr que ce n'en est pas une. Bon, bah on continue. Ça va encore parler? Ouais, ça parle beaucoup là. Mais tout à coin sucré est fait de sucrerie. Mais tout à coin sucré est fait de sucrerie. Bon, s'ils le disent. Et ces trucs sont à coin sucré, alors ils doivent être faits de sucrerie. Et nous alors, nous sommes de coin sucré?
Et pourtant, nous ne sommes pas faits de sucreries, nous. Attends, nous ne sommes pas faits de sucreries? Bon, ça parle beaucoup. Hein. Moi, j'aimerais jouer un petit peu plus. Mais bon, c'est qu'une démo. Hein. Je pense qu'il y a du gameplay un peu plus important par la suite. Bon, bah apparemment, il faut récupérer ces choses-là. Moi, je les récupère. Ah oui, on a notre vie en haut à gauche. Joueur 1. Ça peut être rigolo de jouer à deux. Ah non, là. Voilà, comme ça, je pense. Voilà. Bon, bah on continue. Donc, on est sur des petits plateaux. Comme le jeu Love, je sais plus quoi, là, que j'avais eu. Regarde un autre cristal là-bas. Celui-ci semble différent. Tu devras frapper les blocs pour l'atteindre. L et R1 pour frapper vers le bas. D'accord? Ah ben non, comme ça. Ouais, ça doit être comme ça, là. Attends, il me met ici. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Donc là, c'est elle et comme ça. D'accord. Ah, on a de l'énergie. Non, non, comme ça. Voilà. Ah, là, j'arrive pas par contre. Ah bah comme ça. D'accord. Et là, est-ce que je vais pouvoir... Ouais. D'accord. Ah. D'accord. Bon, ok. Je devrais pouvoir... Voilà. Je viens d'obtenir deux cristaux de celui-ci. C'est quoi ces trucs, chef? Tu te souviens de cette machine qui changeait nos déchets en sucreries comestibles? Le sucrétiseur, ouais, ces sucreries étaient délicieuses. C'est peut-être pareil, sauf que ça tourne les trucs en cristaux. Un cristalliseur. Donc, un autre plateau. Alors, qu'est-ce que tu vas me causer, là? C'est comme le labi... Oh là là, labi... Rinto maïs sucré ici. Je suis restée bloquée 2 semaines. Et il n'y avait ni sucre ni bonbons à manger. Je me suis presque déshypérisée. Oh là là là, les mots. Déshypérisée. N'aurais-tu pas pu manger les bonbons au maïs à l'intérieur du labyrinthe au maïs sucré? Manger les bonbons au maïs, tu es sérieuse? Ben ouais, désolée, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Quoi qu'il en soit, appuie sur triangle pour dézoomer. Attends, là j'ai pas compris. Ah ok. Alors, on appuie sur triangle. Ouais, non, d'accord, ok. D'accord. Non. Ok, bon. Donc il y a un petit gameplay qu'il faut mémoriser. Bon, ça n'a pas l'air encore... Mais là, c'était... Ah oui, c'était R. D'accord. Donc là, c'était R. Voilà. Et il y a un autre...
Alors là, ça va être triangle. D'accord. Ah non. Ah. Ah. Et voilà. Donc faut récupérer tous les petits cristaux apparemment. Et je dois pouvoir sortir là maintenant, ouais. Bah non, c'est pas ça que je voulais faire. Non mais c'est pas grave. Je... voilà. C'est fini la démo? 14-14, ok. J'ai un S, bah c'est super ça. Oh la démo est peut-être pas si finie. Est-ce qu'il y a encore un niveau ou est-ce que c'est terminé? Bah si, c'est terminé. Oh, super court. Merci d'avoir joué, mais attends, d'où viennent ces cristalliseurs? Est-ce que tout est à base de sucrerie, à coin sucré? Pourquoi le chef est-il aussi stupide? Trouve les réponses dans le jeu complet. Encore bien plus éclatant. Bah ouais, bah oui, oui. Donc c'était Geo Rifter. Oh, c'est un petit jeu de plateforme qui a l'air sympathique. Si j'appuie sur suivant. Niveau suivant? Non. Ah bah si, niveau 2, c'est pas terminé alors. Bah alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Et Bonbon vient par ici. Je dis toujours que casser les murs est la clé d'une communication réussite. Je croyais que tu disais que la clé d'une communication réussite était d'ignorer l'opinion des gens que l'on n'aime pas. Peu importe, nous ferions mieux de nous mettre à casser. Utilise ta super benne cette fois. Maintiens R1 pour charger. D'accord, bon, on va maintenir R1. D'accord. Ah ok. Bon bah oui, il y a un niveau 2 quand même. Ah mais attendez, j'ai pas récupéré moi ce qu'il y a dans le haut. Bah non, de toute façon je peux pas. On doit pouvoir grimpouiller. Bah non. Ah non, ils vont peut-être passer de l'autre côté, je sais pas. Ah bah non. Ah bah non, d'accord. Ah oui, c'est pas toujours... Alors attendez, c'est triangle. Voilà. Ah non, parce qu'il faut récupérer tous les cristaux apparemment hein, quand même. Ah bah non, là ça va pas le faire. Alors comment je fais pour les rattraper? Alors, il m'a dit de maintenir. Ah ouais, mais j'ai fait des bêtises là. J'ai fait des grosses bêtises. Est-ce qu'on peut pas récupérer Je veux récupérer. Non, je veux pas. Triangle. Ah bah si, je suis bête, d'accord. Bon, ok. Alors, triangle, non, où c'est? Non, c'est comme ça. Ah. Ah bah alors, attendez, ça, je peux peut-être m'aider. Ah, plus d'énergie. Une petite musique sympatoche, hein, moi je trouve. Voilà. Tout collecté. Ben, c'est parfait, alors on peut s'en aller. Donc faut tout collecter pour passer au plateau suivant. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Alors je ne sais pas combien il y a de niveaux sur... Oh, c'est un boss? Non? Popo mouche, non mais pop, c'est une mouche et un popotin, n'importe quoi.
N'importe quoi. Et je suis où, moi? Boule de caramel, vous sentez encore plus mauvais que le chef. Est-ce que c'est vous qui éparpillez les cristalliseurs partout dans coin sucré? Et d'abord, les monstres, d'où venez-vous? Et comment je les tue, moi, les monstres? Ah! Ouais, mais attendez, moi, faut me dire comment les tuer, les monstres. Bah non, faut me dire. Ah, je perds de la vie, là. Je peux pas les tuer. Je perds des cœurs. J'appuie sur triangle. Ah bah je l'ai eu. Ouais, je l'ai peut-être eu. J'ai dû l'avoir, la bébête. Mais enfin, j'ai plus que deux cœurs, hein. Ouais. Ben je l'ai, ouais, je l'ai écrasé comme ça. Bon bah ok. Donc il commence à y avoir les premiers petits ennemis. Ouais. Bon, alors j'ai un petit souci. Pourquoi la musique est pas encore plus forte là? Elle me suit, la bébête. Ah zut, babababadabadaboum. J'ai dû l'avoir. Il y a un petit cœur là-bas pour récupérer de la vie. Oh, ça m'a pas vraiment récupéré beaucoup de vie. Ah si, ça aussi je peux le déplacer. Bon, ça se complique un petit peu. Ah ouais, puis la bébête, elle est là. Ouais, je sais pas trop.
Ah ben j'ai eu la bébête. Un cristal, mais il m'en manque encore. Ouais, c'est pas trop ça que je voulais faire. J'ai dû récupérer un cœur quand même. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, j'ai dû tuer une bébête. Enfin, j'ai fait quelque chose en fait. D'accord, je peux les repousser encore comme ça. Ah zut, ça pique. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bah non. Et j'ai perdu. Je suis morte. Ah bah non, j'ai peut-être perdu une vie en fait. Alors je vais essayer. Non, par ça je peux pas pousser. Si. Ah là ça devient vraiment un petit peu la réflexion. Ah là c'était par là que je voulais. Bon. C'est pas top ce que je suis en train de faire et j'en suis consciente. Je voulais grimpouiller ici. Voilà. Oui, il y a l'autre aussi. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ben non. Mince. Attendez, je vais essayer d'avoir celui-là. Voilà, celui-là, je l'ai eu. Et je pourrais pas le mettre, je peux pas le mettre de l'autre côté. Bon. Enfin, j'essaye de grimpouiller ici. Bah oui. Ah, je peux plus. Je peux plus les mettre plus que ça. Parce que je me disais que si je pouvais. Ah bah si. Arrivé hein. Voilà. Ah ben non, j'en ai encore une. J'avais pas vu. Ben voilà. Elle est où la sortie? Là-bas. Ben voilà. Bon, j'ai encore une demi-heure hein. Je sais pas si je vais terminer là. Et bonbon, attends, si je vais terminer la démo, parce que je veux prendre ce cristalliseur en or. Je peux sauter, récupérer le cristal, éliminer les pics et atterrir en toute sécurité de l'autre côté.
Regarde comment les pros font, on se voit de l'autre côté. Oui, je vais regarder comment tu fais. Oh là, bah tu piques quand même, ça fait mal. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est comme ça que les pros font, hein, chef. Bah ouais. Ces blocs rouges n'étaient pas là auparavant. Bah maintenant, ils sont là. Donc, on peut essayer de faire un petit truc avec ça. Ah bah moi j'ai réussi. Ah mais il y a la petite Ah zut. Et ouais. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre cristal qui est là-bas. Et triangle. Bah pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est ça. Ça. Et ça marche pas en fait. Ah bah voilà, là ça marche. Là bah non, parce qu'il y a le machin qui est devant. Ah bah là, ça fait mal. Ah bah attendez, je vais peut-être pouvoir triangle. Voilà. Angle. Ben voilà! Ouais, ça me fait. C'est le... Comment il s'appelait le jeu que j'ai fait là, que le développeur m'avait offert et que c'était des petits plateaux comme ça? Bonbon, les blocs sont parfois comme les gens. S'ils se trouvent sur ton chemin, alors frappe-les. Oh, ben d'accord. Le bloc vient juste de se faire détruire par le rouge, le bloc rouge. Ah d'accord, ok. Bon, faut que je voie les cristaux quand même, où est-ce qu'ils se trouvent. Et les bébêtes, elles, on peut pas les frapper, forcément. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais c'est bon, là. Ah oui. Ah, je voulais récupérer le mince. Ouais, si, comme ça. Je l'ai
récupérer, je vais rester là. À plus tard, Boubou. Bah bien sûr, à plus tard, bah bien sûr. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bah c'est pour ça qu'il me dit à plus tard. Faucheton, faucheton, faucheton. Mais merde. Et c'est à croire que les ennemis, on peut pas les battre. Parce que là, je vais être dans la mouise. Ça ne donne pas vraiment... Bon, je veux partir. Ah ben, je ne vais plus partir. Bon, bah d'accord, mais je les ai pas tous su. Ouais, on peut partir. Bon, d'accord. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Merci d'avoir joué. Ben non, là, c'est fini. Donc, il y a deux niveaux à essayer. Donc, sur GeoRifter, ben, c'est un petit jeu sympathique. Un petit jeu de plateforme sympathique. Donc, attendez, je regarde. Ah non, 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 non. Oula, je vais aller dans le store. Ça, c'est pour l'acheter. Je vais pas l'acheter. On va retourner dans le menu principal. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite démo hein, vous aura plu. GeoRifter. Alors, je mettrai les infos en descriptif de la vidéo parce que je ne sais pas quand est-ce que le jeu sort, s'il est déjà sorti, le prix. Je mettrai tout ça. Mais en tout cas, c'est un petit jeu de plateforme sympathique. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais des gros, gros bisous. Alors, attendez, attendez, je regarde avant de vous faire les gros, gros bisous. Je regarde un truc. Arène de combat 2-4. Match défi 1-2. Réarrange les blocs pour faire des associations parfaites. Le mode parfait pour nous. Alors attendez, collection de héros. Non, bah après le reste. Donc moi je pourrais juste faire match défi 1-2. Ouais, mais non, faut. Ouais, non, je pense qu'on peut pas jouer tout seul. Si ? Saute directement dans un match en 3 manches. Bon, bah match rapide, on va voir. Mais non, c'est pas match. Dois faire la session. Est-ce que je vais pouvoir le faire ça? Bon bah écoutez, j'essaye. J'ai rien compris. Ah, c'est en tout cas c'est pas ça. Alors attendez, faut que je me fasse un passage, je pense, à clignote. Je pense qu'il faut que je me fasse des passages. Ouais, bah forcément, ça c'est... Là, c'est mal barré. Ah, la barbe à papa. Ouais, enfin, j'ai compris le truc. Faut se faire des passages pour... Ah, mais je peux pas partir. Bah non. Bah zut. Je pensais qu'il fallait juste rejoindre l'autre côté, mais... Mais apparemment, non, bon, j'ai pas trop pigé ce petit mode de jeu. Je pensais qu'il suffisait de rejoindre l'autre côté. Oh là là, badabadabadab. Bon, est-ce qu'il faut... Non. Ah mais j'ai pas trop pigé le truc en fait, parce que je pensais qu'il fallait juste passer de gauche à droite. Mais apparemment, faut faire quelque chose avec les cubes. Alors, est-ce qu'il faut prendre les cubes du haut également? Ok.
Mince, que j'ai pas. Je voudrais essayer de prendre les cubes du haut pour voir ce que ça fait. J'arrive, j'ai du mal avec ça, moi. J'ai du mal. Ah bah zut, 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 je vais perdre, bah je perds. Je perds. Ou alors je tape dedans, je tape dans les blocs du haut. Parce que je pense que... les blocs du haut, il y a vraiment... ouais, il y a quelque chose à faire avec ces blocs du haut. Il y a quelque chose à faire. Ah mince, je suis encore ferme. Ah, il y a quelque chose à faire avec ces blocs du haut. Bon, ben j'ai perdu. Voilà, bon, bah ça a montré ce petit mode. Bon, bah zéro, je sais, j'ai zéro. J'ai zéro, mais j'ai pas trop pigé. Manche suivante, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà, bah écoutez, moi, de toute façon, ce qui me plairait plus dans ce jeu, c'est le mode aventure. Parce que arène de défi. Bon, j'ai pas trop pigé en fait. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!